Salut tout le monde, c'est Axel de Quadre F4. Je vous remercie d'avoir choisi ma chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Match à par équipe sur Black Ops 2. Donc l'arme que j'ai choisie, c'est MTAR, viseur laser et chargeur en grand cap. Donc là, je ne sais plus c'est quoi le nom de la map, mais voilà. Ouais, c'est une nouvelle map. Hein, Ah, donc là j'ai fait mon premier kill. Par contre là j'ai un petit bug. Là j'ai recommencé. J'avais un petit bug là, je sais pas ce qui s'est passé dans l'enregistrement. Là j'avoue qu'il y a un petit problème. Il va falloir que j'arrête ça. Là je m'excuse hein, parce qu'en ce moment j'ai le PC qui rame. C'est peut-être pour ça aussi que ça enregistre en deux fois la même action quoi. Je vois un deuxième là-bas au fond, mais par contre j'ai remarqué que sur Black Ops 2 parfois on est obligé de décharger un chargeur sur 40 balles. Vous avez vu, attendez, peut-être ça va faire la même chose par là. Voilà, là c'est bon, ça marche bien. Ah oui, au niveau de mes atouts, donc j'ai pris je sais même plus quel atout, enfin bref, je vais pas vous dire, je suis désolé, je peux pas vous dire aujourd'hui quel atout j'ai pris, mais dans mes prochaines vidéos je vais bien préciser, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué sur PO2 et du coup j'ai du mal à reconnaître les armes et les noms des armes et les noms des atouts, et encore moins les séries de points. Donc là, je viens de débloquer ma tourelle automatique. Je ne dirais pas le deuxième parce que je ne me rappelle même plus. Et celui-là, il était dur à avoir. Parce que j'avais pas de. Je sais pas si j'avais robustesse ou pas. Là, je ramasse un peu d'armes aussi par terre. J'ai même pas fait des kills, je sais pas si j'ai fait des kills ou pas. Ah si, je pense, ouais. Donc là, on est sur le score de 30 à 18, 32 à 18. Là, je viens de faire deuxième kill. Puis je vais camper un peu, je pense que je sais qu'il va apparaître par là. Donc quand j'étais, je suis déjà touché, donc du coup, bah, j'essaye de faire d'éviter le corps à corps. Le corps encore là, une fois que je suis touché, qu'on est touché, on a plus de chances de mourir que de gagner l'avantage, à moins qu'on ait une très bonne connexion, que ça m'étonnerait sur Black Ops 2. Mais avec le temps, je croyais que, enfin, je pensais que ils allaient faire une mise à jour spécialement pour la connexion, mais là je vois que, enfin, là pour moi c'est une partie, c'est une bonne partie qui est bien, c'est une bonne partie on va dire, mais habituellement quand je joue, que ce soit un match en par équipe, en domination ou en élimination confirmée, je suis obligé de décharger un chargeur. Sur 40 de grandes balles dans le chargeur, bah, je suis obligé de faire 20 balles pour tuer un mec. Donc il y a un problème. J'ai essayé silencieux, balle perforante. J'ai essayé sans silencieux avec une balle perforante. Non, ça marche pas. J'ai essayé aussi avec le tir rapide. Ça marche pas non plus. Donc quelque part il y a vraiment un problème de connexion. Et là j'ai tué des ennemis facilement, parce que là en ce moment là je pense que j'ai une bonne connexion, une vraie connexion on va dire, et que les mecs en face ils n'avaient pas une connexion qui est bien quoi. Donc du coup j'ai profité pour faire le ménage quoi. Enfin, une bonne partie. Je sais que tous les ennemis sont derrière mon dos, mais je suis quand même avancé. Je savais que j'allais mourir,
Mais abruti comme je suis, je suis avancé quand même. Mais c'est pas grave, hein, c'est du jeu. J'ai quand même réussi à débloquer quelques-uns de mes killstreaks. Voilà, la tourelle. Ce qui est bien, c'est que la tourelle, on peut la voir directement comme sur Ghost. Par rapport à les anciens Call of, il fallait avoir un colis pour avoir la tourelle, donc c'était un peu chiant. Là, c'est meilleur, on a directement la tourelle et il suffit juste de le poser. Par contre, là, j'ai fait une petite erreur. Je vois que le mec il s'approche de moi, au lieu que je fais le tour pour éviter qu'il me tire dessus, mais non, là encore, je me suis fait avoir dans le dos. Je suis sur le score de 21 à 4. Ça marche plutôt bien avec Amta. J'aime bien cette arme. J'ai toujours utilisé d'ailleurs avec M27. Vous avez remarqué que je joue souvent avec le fusil d'assaut. Là, Amta, c'est le fusil d'assaut et non l'Ultra. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas. Voilà. En plus, là, je joue avec le Semtex. Je sais pas combien de Semtex j'ai pris. Donc, là, je termine sur le score de 31 à 5. J'espère que vous avez passé un bon moment à m'accompagner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!